Coucou tout le monde, on se retrouve sur Super Mario Bros. Wonder et oui, on a passé les différents niveaux en Fort Bowser. Et cette fois-ci, on se trouve devant le boss final et oui, le célèbre Bowser. Bouahaha, c'est parti, alors merci d'être venu. Désolé de vous avoir fait attendre, ok. On va devoir suivre son rythme, vous allez voir. C'est un boss rythmique. Musique, c'est parti. Alors, pour affronter ce boss, essayez bien de regarder la couleur du sol, mais également ses mains et le bouton, hein, attention, hein, qu'il y a en dessous de lui. Ok, c'est tous ces éléments-là qui vont être importants. Donc là, on était deux. Hein. Donc au début, voilà, faut comprendre cette histoire de rythme, hein, avec les différents sons. Et ce qui est important, voilà, vous avez vu, hein, c'est de pouvoir sauter au bon moment. Voilà, comme ça. Ok, alors côté attaque, il nous envoie le gros piranha, d'accord. En musique de feu, donc on continue de sauter. Vous avez vu, il y a les mains sur le côté, hein, qu'il va falloir sauter au bon moment pour pouvoir les toucher. Et en même temps, elles effectueront quelques attaques. On a la possibilité de faire les deux, hein. Soit elles tombent directement en bas, soit on essaie directement de sauter dessus. Ok, prochaine étape. Donc là, on continue d'abord les esquives. Vous avez vu, on peut avoir quelques pouvoirs. Bon, je l'ai perdu très rapidement. Donc là, c'est un petit, ça va. Ici, on en a deux de notre côté. Et là, par contre, il est très gros, donc faut avoir le saut. Ouais, j'avais sauté avant, donc je l'avais pas. Ok. Donc ici, voilà, séparation de couleurs. Donc vous avez le saut rythmique avec le rose, hein, et vous avez aussi, enfin fuchsia, et celui aussi avec le bleu, d'accord. Qui vous permet de l'atteindre, ben, des deux côtés, hein, donc essayez bien d'être en rythme pour pouvoir sauter au bon moment. Voilà, comme ici. Il va commencer à pas être content. On l'attaque de plus en plus. Donc c'est pas mal d'esquives, hein, ce combat là. Je me suis fait avoir. Ok. Et là, transformation. Il est pas content. Vous avez vu, hein, cette fois-ci le terrain, il est encore plus décomposé. Donc comme ça, vous avez aussi une surface plus réduite, hein, pour pouvoir sauter. Donc attention à bien esquiver tout. Voilà, vous pouvez prendre le temps de détruire toutes ses mains. Et une fois que c'est réalisé, on va commencer à arriver à la dernière étape, hein, le gros bouton à atteindre sur sa tête. Donc là, c'est pareil, le terrain, il est divisé, mais cette fois-ci, il faudra essayer de monter, hein, sur les différentes plateformes au bon moment. Donc ici, par exemple, moi j'étais sur le bleu. Luigi était sur celui du rose. J'ai pas sauté au bon moment. Et en même temps, il continue d'attaquer au niveau de sa bouche. Et voilà, une fois qu'on arrive sur sa tête, c'est gagné. Donc vous avez vu, pour un boss final, c'est pas forcément très compliqué. C'est simplement, voilà, il suffit bien de suivre la rythmie du jeu, hein, sauter sur les bons moments. Et le plus important, c'est les esquives, bien sûr. Et oui, Bowser, tu as perdu. Nous avons tout sauvé. C'est gagné. En tout cas, c'était un plaisir de vous présenter, bah, ce jeu, hein, Super Mario Bros. Wonder. J'ai pris beaucoup de plaisir, bah, même de jouer à deux. Hein. C'était vraiment très sympa. Et merci à tous, hein, d'avoir suivi. Voilà, vous pouvez revoir tous les gameplays, hein, sur la chaîne. Merci pour vos j'aime, vos abonnements, tous vos suivis. Et je vous dis à bientôt, hein, pour la suite de nos aventures sur un nouveau jeu. Et là, on récupère la dernière graine royale. Merci à tous.